Eh bien, oui, c'est beau, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. On se retrouve pour la première session Pike en hiver. On est le 26 décembre, veille de... Enfin, la veille, qu'est-ce que j'entends. Après Noël, je veux dire. Et là, on va chercher brochet dans cette rivière. Alors l'eau, elle est pas trop mal, franchement, elle est pile poil à la bonne hauteur. Elle n'est pas entrée en crue. L'eau, par contre, elle est boulée. Donc c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, on les voit pas, puis ils nous voient pas. Là on commence un petit peu au buster, je pense qu'on va vite passer au shad un petit peu. Mais je vais tester surtout les zone cannes, le buster. Histoire de les réveiller un petit peu. Et puis passer sur du shad. J'ai emmené des leurres à palettes mais je pense qu'ils vont servir à rien. Mais c'est surtout le, je pense le shad et les fortes vibrations qui vont marcher le plus. Genre buster, les trucs comme ça, donc on verra bien. Donc on se dit à tout de suite, j'espère qu'un joli brochet au bout ou un broc. Allez, à toutes. Bon voilà, on est passé au souple. On est passé avec les bulkies de chez Westin. Un coloris un petit peu flashy, un petit peu jaune. Plombé en 9 grammes à l'avant. Ça se voit que c'est l'hiver. Il y a en pêche dans les polders. Il y a un tremblement de terre sur le continent de glace. On va peut-être lui faire le tour. On verra bien. Non, ça va aller à vie. Mes anneaux ils sont gelés les amis, un truc de malade. Je pense qu'on est là, on doit atteindre les 1 degré je pense à cette heure là. Il est pas loin de midi. Il fait pas très chaud franchement quand vous voyez, je sais pas si vous voyez autour de moi, c'est complètement gelé. Et comme vous avez pu voir, j'ai traversé de la glace. C'était assez sympa. Bon après j'aurais peut-être pas dû, parce que à mon avis, le pike qui était devant, ils ont dû avoir peur, ils ont dû détaler. Mais bon. Je m'en bats les couilles, on va dire aujourd'hui, je suis là juste pour passer le temps.
Et quand je vois que mon moulin a un problème, alors là, ça me rend encore plus fou. Donc voilà, on va aller voir si elle est branchée quand même un peu plus haut et puis tout à l'heure un peu plus bas. Parce qu'on m'a donné 2-3 spots à aller inspecter, donc on ira voir. Et puis voilà quoi. On essaie un petit peu au coffee de chez LNAB. Je pense avoir pris une tape tout à l'heure, mais je suis pas sûr. Mais j'ai pas de marque de croc, j'ai rien, donc pour moi c'est rien quoi. Ça doit être une herbe. Hein. Ouais, poisson les amis, brochet. Ah, il est pas vilain. Oh, il a mis une cartouche, je le savais bien. Je voyais un drôle de rond derrière moi. Bon, elle est pas gros, mais ça fait plaisir. Voilà. Joli brochet, petit brochet. Ah, je suis pas venu le point. Ah, j'avais vu un rond derrière le leurre. Oh, je vais me casser la gueule si je fais ça comme ça. Ah, je voyais un rond derrière le leurre. Je me suis dit, il y a quelque chose dans le coin, je l'ai raté. Ah, je relance, boum. Petit brochet. Allez, viens. Il a coffré le triple. Yes. Ah, ça fait plaisir. Je suis pas venu là pour rien. Bon, voilà. Petit pins. Pris au coffee de chez LNAB. Ça va repartir tout de suite. Voilà, on va le laisser tranquille ou là. Magnifique. Magnifique. Petite trille sympa. Bon bah voilà, prends une brochette de fée ce matin enfin. Après un peu de galère, mais à la fois, le moulin, vraiment, je pense qu'il a vraiment un problème. Enfin, je l'emmène au magasin. Puis voilà, quoi. On va essayer de se démerder quand même aujourd'hui, je pense. Si je vois que ça merde trop, je l'emmène aujourd'hui dans tous les cas. Donc voilà. On se dit à tout à l'heure avec, j'espère, un deuxième pike, plus gros de préférence. Mais ça fait plaisir, au moins, on n'est pas venu là pour rien. Donc voilà. Allez, on se dit à tout de suite, j'espère, avec un autre broc. On vient de rater un joli brochet, les amis. Oh, poussant! Oh, c'est mon record, je crois! Wow! Oh, ça plie! Oh, les gars! Oh, énorme! Énorme! Oh, j'ai un monstre! Oh! Oh les gars, je crois que j'ai mon corps. Énorme. What the fuck? Oh, elle l'a coffré. Oh, j'ai pris le plus gros pack. Ah, faut pas qu'elle se poule. Faut pas qu'elle se poule. Faut pas qu'elle se poule. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh mon dieu. Oh sa mère, elle est énorme. Regarde mon steak. Oh, j'ai pas. Ah, j'ai pas envie de m'en mettre. Oh le con. Oh, je suis en PLS. Oh putain, elle est énorme. Par contre, ouais, c'est ça. Ouh, bah, je le découvre. Oh, je suis un malade. Oh putain. Regardez bien ce qu'il y a. Allez, c'est à moi de le gérer. C'est à moi de le gérer. Ah, je sais. Ça va. Attention, attention. Ah, j'ai encore fait ça. Il est encore là-bas. Bien. Ça fait un pas que j'avais pas fait un joli branché comme ça. Yes! Oh putain! Oh le morceau! Wouh! Oh ça fait plaisir les amis! Énorme branché! Oh j'en peux plus, je suis crevé! Magnifique branc! Je dois faire une photo tout seul, mais énorme. Regardez-moi ce steak, les amis. Ouh. Allez, repars, mon gros. Allez, va te caler au fond maintenant. On va te laisser tranquille. Bon, bah voilà. La vidéo s'achève les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait, franchement, on a fait un putain de combat de malade. On a fait deux brocs, on a fait un de 50 plus et un de 80 plus.
Franchement, on s'est super bien amusé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures encore plus folles. Parce que moi, je vais arrêter la vidéo pour l'instant parce que j'en ai plein à faire. Et celle-ci sera ma dernière du coup pour l'année avec ce magnifique brochet. Donc, on se dit à l'année prochaine, les amis, avec de nouvelles aventures, mais encore plus folles.